D'abord, merci. Surtout, j'étais vraiment content hein, de pouvoir finir de cette manière, quoi. C'était quand même 4 saisons. Je suis venu d'abord parce que je voulais jouer à Barcelone, mais de l'autre côté, je voulais gagner la Ligue des Champions. Et donc, on était parfois pas loin, mais bon, c'était pas facile. Hein. Et franchement, j'étais vraiment content d'y arriver à la fin, avant que je change, avant que je change le club. C'est surtout que je veux aider au club de grandir encore plus. C'est surtout ça. Je sais que c'est un jeune club, hein, mais je vois beaucoup de potentiel. J'ai pas mal discuté avec Gaio, bien sûr. Comme c'est pas seulement parce qu'on est slovène, parce qu'on est vraiment amis aussi. Franchement, il m'a parlé très très bien du club, qu'il est vraiment content et qu'il y a de grandes choses à faire. Je suis persuadé qu'on peut le faire ensemble et surtout je veux aider à tout le monde, même aux jeunes joueurs qui en a pas mal. J'espère qu'on peut déjà la saison prochaine qu'on peut faire un pas de plus, quoi. Bon, il m'a parlé de club déjà. Il y a un an, hein, quand on s'entraînait ensemble, là, après première pause de Covid. On s'entraînait ensemble en Slovénie, il m'a parlé des clubs, on n'a même pas parlé de me faire venir ou quelque chose, mais on a parlé comment ça va se passer pour lui, le changement et tout ça. Et après, bon, on est toujours au contact, on parle un peu parfois chaque mois, comme ça. Il était de plus en plus content, surtout au début de saison. Ils ont joué très très bien, ils ont gagné plein de matchs. Je crois qu'il a fait une saison incroyable lui-même. C'est une machine de buts, quoi. Il m'a donné son avis qu'on peut faire de grandes choses, que ce club a vraiment la capacité de grandir, de se définir comme, je sais pas, un des meilleurs clubs en France. Moi, je me vois capable d'aider. Je suis aussi content parce qu'on va retrouver Gaio et sa famille et ça va être plus facile pour moi, pour ma famille aussi. Hein. Quand tu as 32, 33 ans, 2 enfants, c'est important aussi. Hein. Tu penses pas seulement au handball, hein, tu dois avoir tous les trucs autour aussi. Bon, c'était un peu le mélange de tout ça. Hein. Non, 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 personnel, non. Hein. Franchement, je vais aider. Au club, à l'équipe de faire plus que cette saison. Et ça va pas être facile parce que je trouve que pour une équipe qui vient de monter, franchement, c'était pas mal. Hein. Il y avait quelques matchs, surtout à la fin de saison, qu'il aurait pu faire mieux. Moi, je crois qu'on peut faire encore plus de ça, surtout je veux qualifier pour la Coupe d'Europe aussi. Hein, mais je crois que tout le monde pense un peu à ça, mais il y a plein d'équipes en France qui ont des grands joueurs qui ont le même objectif. Donc ça sera pas facile, c'est sûr. Mais bon, je crois que j'ai d'expérience. Pour faire grandir cette équipe. Hein, personnellement, je m'en fous si à la fin je joue 5 minutes tous les matchs. L'important, c'est qu'on gagne des matchs. Qu'est-ce que je peux dire?
Voilà, qu'on va tout donner pour le faire rêver toute la saison prochaine. J'espère qu'on se retrouve bientôt sur le terrain.